Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo spéciale vocabulaire. Donc aujourd'hui, on va apprendre ensemble 20 mots de vocabulaire en darija marocain sur le thème de l'automne. Donc ces mots, eh bien, ce sont ceux qu'on voit sur mon compte Instagram dans la darija story du lundi au vendredi, donc que je publie en story également sur la IGTV. Donc si tu me suis sur Instagram, eh bien, ce sera pour toi une révision. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, eh bien, ce sera l'occasion pour toi d'apprendre 20 nouveaux mots, sachant que chaque mot est accompagné d'une phrase qui le contextualise. Donc voilà, je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à tout de suite. Khrif, l'automne. Le khrif, l'automne. Le khrif, l'automne. Le khrif, bda. Le khrif, bda. L'automne a commencé. Le khrif, bda. Shajra. 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 C'est-à-dire l'arbre. Shajra. Shajra, l'arbre. Les arbres, on dit shajar. Shajar. Shajar, les arbres. Et l'arbre, shajra. Shajara kubira, ça veut dire un grand arbre. Shajara kubira, un grand arbre. Shajara kubira, un grand arbre. L'ouraq, 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 c'est-à-dire les feuilles. L'ouraq, les feuilles. L'ouraq, les feuilles. La feuille, on dit l'ouarqa. L'ouarqa, la feuille. L'ouarqa, la feuille. L'ouarqa, dit El Sidna Moussa, c'est les feuilles de laurier. L'ouarqa diel sidna moussa. L'ouarqa diel sidna moussa, la feuille de laurier. L'berd. L'berd. L'berd, c'est-à-dire le froid. L'berd, le froid. L'berd, le froid. Kain l'berd. Kain l'berd, il fait froid. Kain l'berd, il fait froid. L'berd, le froid. Kain l'berd, il fait froid. Nhar qser. Nhar qasir. Nhar qasir, c'est-à-dire la journée est courte. Nhar qasir, la journée est courte. En darija, c'est du masculin. Nhar qasir. En français, c'est du féminin. La journée est courte. Nhar qasir, la journée est courte. L'jaw. L'jaw. L'jaw, c'est-à-dire le temps. Le temps qui fait dehors et parfois aussi l'ambiance. L'jaw. Le temps, parfois l'ambiance. L'jaw zouin, l'jaw zouin, il fait beau. L'jaw zouin, il fait beau. L'jaw la'ili, l'jaw la'ili, l'ambiance familiale. Ok, donc l'jaw, le temps qui fait dehors et l'ambiance. Shta, 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 c'est-à-dire la pluie. Shta, la pluie. Et une phrase qui accompagne ce mot, c'est shta ketsab. Shta ketsab. Shta ketsob, la pluie tombe. Shta, la pluie. Shta ketsob, la pluie tombe. L'mdal. L'mdal. L'mdal, c'est-à-dire le parapluie. L'mdal, le parapluie. L'mdal, le parapluie. L'mdal, dit Ali, mon parapluie. L'mdal, dit Ali, mon parapluie. L'mdal, le parapluie. L'mdal, dit Ali, mon parapluie. L'jaqueta. L'jaqueta. L'jaqueta, c'est-à-dire la veste. L'jaqueta, la veste. L'jaqueta, la veste. L'jaqueta zarqa. L'jaqueta zarqa, la veste bleue. L'jaqueta zarqa, la veste bleue. L'jaqueta, la veste. Sobbat. Sobbat. Sobbat, c'est-à-dire les chaussures. Sobbat, les chaussures. Sobbat diel jild. Sobbat diel jild, les chaussures en cuir. Sobbat, les chaussures. Sobbat diel jild, les chaussures en cuir. Tahmil. Tahmil. Tahmil, c'est-à-dire le ménage de printemps, le grand ménage. Tahmil, le ménage de printemps, le grand ménage. Tahmil diel dar.
التخميل ديال الدار لو غران ميناج دو لا ميزون الكشه 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 c'est-à-dire la couverture الكشه la couverture le couèche les couvertures donc الكشه on dit aussi le manta الكشه la couverture الكوش les couvertures الكشه غليظه الكشه غليظه c'est la couverture épaisse zerbia 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 c'est-à-dire le tapis zerbia le tapis zerbia le tapis zerbia qdima zerbia qdima un ancien tapis zerbia qdima المخدة 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 c'est-à-dire le coussin المخد المخد les coussins المخدة رطبة المخدة رطبة le coussin moelleux سداري 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 c'est-à-dire le canapé marocain سدادر سدادر ce sont les canapés marocains سداري مريح سداري مريح un canapé marocain confortable رواح 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 c'est-à-dire le rhume رواح le rhume fia rouah fia rouah j'ai le rhume je suis enrhumé fia rouah je suis enrhumé j'ai le rhume rouah le rhume tobeb tobeb ou bien tobeba tobeba c'est-à-dire le médecin donc tobeb c'est le médecin homme tobeba c'est le médecin femme et la phrase du jour c'est mshit and tobeb mshit and Tobeb, je suis allé chez le médecin. Tobeb, le médecin homme. Tobeba, le médecin femme. Marid, 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 c'est-à-dire malade pour un homme. Marida, marida, c'est malade pour une femme. Rani, marida, je suis malade pour une femme. Rani, marid, je suis malade pour un homme. Ok? Marid, malade pour un homme. Marida, malade pour une femme. Doigt, 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 c'est-à-dire le médicament. Doigt, le médicament, les médicaments aussi. Mais pour les médicaments, on peut également dire doyette. Doyette, doigt, pour médicaments au singulier. Gibliette doigt, ramène-moi les médicaments. Gib, c'est quand on s'adresse à un homme. Gibi, quand on s'adresse à une femme. Pharmacienne, une pharmacienne. Ou bien Sidalia, Sidalia, c'est-à-dire la pharmacie. Donc pharmacienne, c'est plutôt le mot inspiré du français. Sidalia, c'est plutôt le mot inspiré de l'arabe. Donc ça veut dire la pharmacie. Pharmacienne, Sidalia. Et la phrase qui l'accompagne, c'est pharmacienne, hell. Pharmacienne, hell, c'est-à-dire la pharmacie est ouverte. Pharmacienne, hell, ou bien Sidalia, hella. Donc la pharmacie est ouverte. Donc tu viens d'apprendre 20 nouveaux mots en darija marocain avec 20 nouvelles phrases qui les accompagnent. Donc j'espère que ça te sera utile. Je t'invite vraiment à aller répéter le maximum de fois, à réécouter cette vidéo jusqu'à ce que bien ces mots et ces phrases soient pour toi bien comprises, bien assimilées. Et si tu as la moindre question, évidemment, tu n'hésites pas, tu me la poses en commentaire. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt. Salam, bye bye.